Yes bébé, alors ça marche, ouais l'équipe. Comme vous le saviez, bientôt c'est les élections européennes. On doit élire nos députés. Et il ne faut pas oublier, c'est super important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de décisions qui se prennent au Conseil de l'Europe. Ce n'est plus nos pays qui décident. Il y a plein de décisions. Je vais vous montrer un exemple après. Et là, je suis tombé sur un panneau publicitaire où il y a les candidats. Je vais vous les présenter. On va commencer par l'Utre ouvrière. C'est les gens qui nous ressemblent le plus, qui ont un parcours de vie identique au nôtre. C'est des gens qui travaillent comme nous, tu vois. Ça, c'est un parti, j'aime bien, l'Utre ouvrière. C'est les prolétaires. François-Xavier Bellamy, les Républicains. Ça, c'est la droite, un fumier aux yeux bleus. Laisse tomber, il n'y a rien à gratter avec ces fumiers-là. On passe par la liste Asselineau Frexit. Lui, son problème à lui, c'est que c'est un bourreur, il parle trop. Il parle. Il fait rien de concret, rien qui grogne. Il est bon qu'à grogner, c'est-à-dire je l'enquiquine. Majorité présidentielle, Renaissance, c'est eux qui sont en train de faire couler le pays. C'est eux, ça c'est le parti Emmanuel Macron. C'est-à-dire, j'évite ça. Moi je taille la zone avec eux là. Ils nous ont déjà montré de quoi ils sont capables, ces fumiers. Elle, parti animaliste, elle est dans son délire. Je sais pas, elle a fumé combien de tagas pour présenter un parti animaliste. Sa vie, elle croit que c'est l'arche de Noé. Tu connais, elle est dans son délire à elle. Mais il faut tout pour faire un monde. Europe écologie, eux, tu connais, ils sont dans une utopie totale. C'est des rêveurs à mort. Ils rêvent à mort, à mort. L'extrême droite, laisse tomber. On n'en parle même plus. Jordan Bardella, un fumier. Marine Le Pen, une fumière. Son vieux, un bon fumier, chef des fumiers. Oh, mon vieux, Jean-Luc Mélenchon. Un bon bourreur. Si on doit choisir entre tous là, je prends lui et Lutte ouvrière. Parce que le vieux là, c'est un bon. Il défend beaucoup de nos intérêts. Aïe! Lui, je taille la zone.